Au bord de l'abîme qui conduit aux profondeurs des enfers, Ulysse tient à distance les spectres qui avancent vers lui. Il a vu l'ombre de sa mère. Il a parlé au devin Tirésias, qui lui a indiqué quelle route le conduirait à Ithaque, sa patrie. Et tout à coup, le peuple des morts a fui dans une grande panique. Ulysse sait que nul mortel n'est autorisé à pénétrer dans le royaume des ombres. Circé, la magicienne, qui l'a envoyé jusqu'ici, le lui a maintes fois répété. Mais une force invisible semble le pousser vers l'abîme où les morts ont disparu. Une puissance qui l'a toujours habité, la curiosité. Ulysse fait signe à ses compagnons de l'attendre, puis il descend, lentement. À travers les moisissures et les ténèbres, au fond de l'abîme effrayant. Soudain, un homme lui fait face. Il le reconnaît aussitôt. Agamemnon, celui que l'on appelait le roi des rois. Ou plutôt, l'ombre d'Agamemnon de Mycène, le grand guerrier qui a dévasté Troie. Ulysse a combattu à ses côtés pendant près de 10 ans. Ainsi donc, Agamemnon a péri à son tour. Mais comment ? Ulysse veut savoir par quelle mort cruelle Agamemnon fut dompté. Il ne peut s'empêcher d'avoir pitié de l'ancien roi, ce pilleur de ville, ce tueur d'innocents. Alors, Agamemnon raconte à Ulysse sa mort, au sein même de sa maison, le soir de son retour. Comment sa propre épouse, Clytemnestre, remariée en secret à son cousin Égiste, l'a assassiné lâchement, lui, le roi, ainsi que tous ses compagnons. Il dit aussi à Ulysse de quelle façon il vient d'être vengé par son fils Oreste. Oreste, fils d'Agamemnon, a aujourd'hui le même âge que Télémaque, fils d'Ulysse. L'âge de venger son père. Et Oreste a tué de ses mains le couple maudit, sa propre mère et son beau-père. Mais ce crime de sang, Zeus ne l'a point pardonné. Et Oreste est désormais harcelé par les terribles Erinni, ces furies redoutables, à la tête de chien et à la chevelure de serpent, poursuivent leurs victimes de leurs aboiements, de leurs sifflements et de leurs fouets sans relâche. Jusqu'à ce que, en proie à la démence, elles trouvent une mort horrible. Agamemnon met Ulysse en garde. Quand il rentrera chez lui, à Ithaque, qu'il n'apparaisse surtout pas au grand jour, qu'il se cache ou se déguise, sinon il connaîtra le même sort que le roi des rois. Mais Agamemnon n'est plus seul. Devant Ulysse se dresse désormais l'ombre d'Ajax. Puis celle de tous les grands capitaines qui combattirent devant les remparts de Troie. Antiloque, Patrocle et Achille. Achille, le plus glorieux de tous les guerriers que le monde ait porté. Achille, dont la colère provoqua la chute de Troie. Achille, dont le nom et la cruauté inspirent désormais l'effroi aux morts eux-mêmes. Mais la force et la vigueur qui animaient autrefois le grand guerrier ont disparu. Celui que les Grecs honoraient comme un dieu n'est plus qu'un spectre qui s'adresse à Ulysse comme un pauvre fou.
Comment a-t-il osé se rendre dans la prison d'Hadès, où demeurent les morts, privés de tout ? Achille et Ulysse, à nouveau, se font face. Ulysse voudrait rassurer son vieux compagnon. Sur Terre, nul n'a oublié son courage, et ses exploits seront chantés pour l'éternité. Son nom restera à jamais dans la mémoire des hommes. Et même ici, sous Terre, il continue d'inspirer crainte et respect. Qu'il ne regrette rien, pas même la vie, car de tous les hommes, Achille est et restera le plus célèbre. Achille repousse les louanges d'Ulysse avec tristesse. Inutile d'adoucir la mort, Ulysse n'en connaît rien. Achille, maintenant qu'il est sous terre, pèse le poids terrible du choix qui s'offrait à lui. Vivre longtemps et heureux, mais finir par être oublié, ou mourir jeune et conquérir la gloire pour l'éternité. Et il a choisi la mort en pleine jeunesse, qui lui ouvre les portes de la célébrité. Ah, s'il avait su. La gloire n'a de sens que dans la lumière de la vie. Aujourd'hui, Achille préférerait être sur Terre, bien vivant, même paysan, même domestique, même esclave, qu'importe, mais vivant, entouré des siens, plutôt que de régner ici, parmi les ombres inconsistantes des morts. Et Achille désigne à Ulysse les formes qui les entourent. Il y a là tous les morts glorieux du passé, ceux qui périrent pendant la guerre de Troie, mais aussi les grands rois de jadis. Minos, qui fut roi de Crète. Orion, dont on dit aujourd'hui encore qu'il fut le plus bel homme du monde. Sisyphe, en proie à ses éternels tourments. Œdipe, le roi devenu mendiant, et qui préféra se crever les yeux pour se punir de ses crimes involontaires. Et tant d'autres. Tristes et immobiles, toutes ces âmes mortes gémissent et ressassent leur peine. Non, Achille ne souhaite à personne cette gloire, qui, certes, survit dans les mémoires, mais le plonge dans le néant, sans jamais avoir connu le bonheur d'être aimé. Ulysse, à contre-cœur, s'arrache à ce spectacle qui pourtant le fascine. Il est temps de regagner son bateau, avant que Perséphone et Hadès ne jettent contre lui quelques créatures infernales qui l'entraîneraient au plus profond de l'oubli. Sur le pont des navires, règne un silence total. Les marins d'Ulysse n'oublieront jamais ce qu'ils viennent de vivre. Les plaintes et le fracas des chaînes résonnent encore à leurs oreilles. Les pensées d'Ulysse vont à Achille, Agamemnon, Ajax, Patrocle et à tous ces valeureux guerriers réduits à n'être plus que des ombres languissantes pour l'éternité. C'est donc ainsi que les dieux récompensent les exploits, le courage, l'honneur. En enfermant chacun dans une prison de ténèbres, les dieux, décidément, sont bien injustes. Eurylochue arrache Ulysse à sa méditation. Le vent est tombé, la mer est d'huile, sous un soleil de plomb. Les navires sont immobiles, figés, à l'endroit même où, dit-on, vivent les sirènes. Les sirènes,
Tirésias a prévenu Ulysse que pour leur échapper, ils devraient inventer de nouveaux stratagèmes. Tous les marins connaissent la légende des sirènes. Le chant des sirènes est, dit-on, le plus mélodieux qui soit, le plus pur, le plus parfait, le plus divin. Nul ne peut y résister. Les sirènes prennent tour à tour l'apparence de femmes oiseaux ou de femmes poissons. Leur buste est celui d'une déesse à la beauté éclatante. Ils surmontent une unique et scintillante nageoire ou bien des ailes aux couleurs chatoyantes qui leur permettent de voler. Leur mélodie inspire l'amour et le désir à ceux qui les entendent, et quiconque prête l'oreille se jette aussitôt à l'eau pour les rejoindre. Alors, ces jeunes femmes à la beauté indépassable montrent leur véritable visage. Elles se métamorphosent en créatures hideuses, effroyables, aux crocs acérés et aux yeux de flamme. Elles entraînent leur proie dans les tréfonds et les dévorent. Au fond des abysses se trouve le palais de ces sorcières au visage de fée. Il est composé des ossements sans sépulture des infortunés marins séduits par le chant des sirènes. Ulysse a une raison supplémentaire de redouter ces créatures. Elles obéissent au dieu Poséidon. Et Poséidon entend bien mettre un terme à l'odyssée d'Ulysse et de ses compagnons. Circé, le jour de leur départ, avait parlé à Ulysse des sirènes, ces divinités impitoyables, totalement maléfiques. Pour ne pas céder à leur chant trompeur, avait dit la magicienne, qu'Ulysse emporte avec lui de la cire, dont il se bouchera les oreilles, ainsi que tous ses compagnons. Alors, nul n'entendra le chant des sirènes, auquel il est impossible de résister. Et surtout, qu'Ulysse et ses hommes rament et ne s'arrêtent pas. Eurylochë, fidèle aux instructions de la magicienne, ordonne que l'on ferle les voiles et que chacun se mette au rame. Puis Ulysse fait fondre la cire et la distribue à chacun de ses compagnons. Mais quand vient son tour, il refuse de se boucher les oreilles. Ce chant mystérieux dont tout le monde parle, le chant des sirènes, il veut l'entendre. Il veut savoir par quels mots et par quelle mélodie les sirènes font perdre la tête au plus impassible des mortels. Eurylochë et Polytès et tous les compagnons d'Ulysse tentent de le raisonner. A-t-il perdu la tête ? À maintes reprises, sa curiosité maladive a failli leur coûter la vie. Cette fois-ci, c'en est trop. Mais Ulysse a un plan qu'il détaille à tout l'équipage. Qu'on l'attache solidement au mât de son navire et que chacun se bouche les oreilles avec la cire fondue. S'il demande à ses hommes de le délivrer de ses liens, ils le liront sur ses lèvres. Alors qu'il resserre encore plus les cordes, qu'ils ignorent tout ce qu'il pourra leur dire. C'est aussitôt fait. À cet instant, des flots s'élève un chant merveilleux. Ce qu'Ulysse entend lui brise le cœur.
les sirènes chantent les souffrances vécues devant les murailles de Troie. Les souffrances endurées à Ithaque par Pénélope et son fils Télémaque, abandonné par un mari et un père, devenu un vagabond. Les souffrances du vieux Laërte, désespéré par l'absence de son fils. Les sirènes lui promettent que, s'il les rejoint, elles lui offriront de revoir les siens. Il repartira riche de nouveaux savoirs. Subjugué par le chant des sirènes, Ulysse se débat. Il tente de défaire ses liens, fixe leur visage à mesure qu'elle le flatte et l'enveloppe de tendres promesses. Ulysse supplie ses hommes, les menace. Mais sur le pont du navire, nul ne l'entend. Ainsi qu'il l'avait commandé, tous les marins se sont bouchés les oreilles et rament en cadence, insensibles au chant des sirènes, comme au cri de leur roi. Eurylope ordonne qu'on redouble l'emprise des liens d'Ulysse, jusqu'au sang s'il le faut. Tandis que les rames frappent la mer avec plus de force que jamais. Voguer au plus vite, filer comme l'épervier, avait recommandé Circé, la magicienne. À mesure qu'ils s'éloignent du rocher des sirènes, les chants s'atténuent. On entend les derniers cris des sirènes qui voient leur proie leur échapper. Puis, lentement, le silence revient. Mais à peine ont-ils doublé l'île des sirènes que des vapeurs recouvrent la mer. Des tourbillons se forment tout autour des coques. Les vents, à nouveau, se lèvent. Poséidon, furieux qu'Ulysse ait échappé aux sirènes, provoque les courants qui entraînent les navires vers deux roches en surplomb. La première est fatale au navire. La seconde, aucun des vaisseaux qui l'atteignit jamais n'en réchappa. Ce sont Charybde et Scylla. Ces deux rochers monumentaux sont en vérité des monstres terrifiants. Charybde n'a pas toujours été ce gigantesque amas de rochers qui s'entrechoquent de sorte que tout navire poussé par les vents et les courants est irrémédiablement broyé. Autrefois, Charybde fut une déesse. Charybde est née des amours de Poséidon et de sa propre mère, la Terre, Gaïa. C'était une jeune fille ni plus jolie ni plus laide qu'une autre. Mais un jour, sans que l'on sache pourquoi, elle s'est mise à dévorer tous ceux qui passaient près d'elle. Animaux, enfants, hommes, femmes. Rien ni personne ne trouvait grâce à ses yeux. Zeus, exaspéré par son comportement, décida de la châtier. Il abattit sur elle sa foudre et la précipita dans la mer, où elle devint ce qu'elle est aujourd'hui, un être hideux qui fait corps avec ses rochers et que les marins ont nommé les roches errantes. Trois fois par jour, les roches errantes de Charybde absorbent des quantités incroyables d'eau, attirant tout ce qui flotte, poissons ou navires. Même les oiseaux évitent de voler au-dessus d'elles. Lorsque les forts courants les entraînent vers ces rochers qui menacent de les fracasser, les timoniers tentent par tous les moyens de dévier la trajectoire de leur navire. Mais s'ils y parviennent, par miracle ou grâce à leur grande habileté,
c'est pour se retrouver entre les griffes d'un péril plus terrible encore et qu'il n'avait pu voir ni anticiper. Scylla. Scylla vit elle aussi sur un rocher, à quelques encablures de Charybde. On ne peut la voir car elle jaillit des flots uniquement lorsque les navires passent à sa portée. Redoutable, immense, si haute qu'elle frôle le ciel et déchaîne des bourrasques qui font chavirer les bateaux les mieux charpentés. Scylla n'est pas seulement ce rocher si lisse qu'aucun mortel ne pourrait y grimper ni s'y tenir. C'est un monstre que même les dieux, même Poséidon, redoutent de croiser. Elle a 12 pattes difformes, 6 coups sans fin, et sur chacun, une tête effrayante ornée de 3 rangs de crocs acérés. Jadis, Scylla, comme Charybde, était une femme, une nymphe dont la grande beauté allait bientôt causer la perte. Elle croisa un jour la route de Glaucos. Glaucos était un pêcheur très laid, difforme. Par le plus grand des hasards, ou bien parce que Poséidon le lui permit, il avait mangé une herbe qui avait fait de lui un immortel. Lorsqu'il vit la jolie nymphe, Glaucos en tomba éperdument amoureux. Mais Scylla repoussa ses avances. Alors, Glaucos demanda à Circé, dont il connaissait les pouvoirs de magicienne, de lui préparer un philtre d'amour. Hélas, le cœur de Circé battait ardemment pour Glaucos. Et la jalousie lui dicta de commettre un acte irrémédiable. Au lieu du philtre, Circé donna à Glaucos un poison. Et l'infortuné, croyant bien faire, versa la potion fatale dans la fontaine où Scylla avait l'habitude de se baigner. Victime de sa rivale, la nymphe se transforma en cette chose abominable qui désormais hante la mer. Pour le malheur d'Ulysse et de ses hommes, Charybde et Scylla vivent l'une en face de l'autre, à une simple portée de flèche. Devant Charybde, qui vomit l'océan et semble aspirer vers elle les navires, Eurylochë ordonne aux marins de virer de bord et de passer à droite du gouffre. Mais Ulysse sait que Scylla sortira aussitôt des flots et les taillera en pièces. Une nouvelle fois, Ulysse décide d'appliquer à la lettre les directives de Circé. La ruse qui permet d'éviter le naufrage consiste à passer entre les écueils. Il faut tenir bon, garder fermement le cap, naviguer droit devant. L'équipage n'en croit pas ses yeux. Ulysse est suicidaire. Le navire avance en direction du rocher noir où se tient Charybde. On peut la voir clairement, l'horrible créature, en train d'engloutir avec avidité l'eau de la mer, la vomir et siphonner les flots. Et elle recommence encore et encore. Les navires d'Ulysse ressemblent à de pauvres coques de noix, prêtes à être aspirées et broyées par ce monstre marin aux allures de rochers.